Salut les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo de Ghost of Tsushima, acte 2, partie 18. On se retrouve après l'introduction, c'est parti, let's go! Alors, pour le programme d'aujourd'hui, écoutez, on va continuer, hein. On va continuer l'émission de Masako, là, pour le moment. Et puis, après, on va monter, hein, petit à petit. C'est à faire, donc. Bien! Tu me veux, toi? Éteins. Y'a quoi? Y'a rien, là, bonhomme. Ah, si! Y'a un chapeau, là-haut. Par contre... Ouais, voilà. Il est où mon cheval là? Là. Alors. Il fait chaud. Ah oui. Où est Jun-Jin? Dame Masako! Répondez-moi! Arrêtez! Où est Jun-Jin? Masako, que faites-vous? Je l'aide à retrouver l'usage de sa langue. Monseigneur, tu... Masako, laissez-moi faire. Bien. Mais s'il refuse de parler, je m'en chargerai. Ouais, elle est déterminée, hein, elle est déterminée. J'ai bien cru qu'elle allait me tuer. Oui, Que pouvez-vous me dire sur Jun-Jin? Jun-Jin aidait des survivants au temple des Feuilles Rouges. Mais j'ai appris que les Mongols avaient attaqué. Alors il est en danger. Nous le trouverons. Que voulez-vous à Jun-Jin? Il a pris part au meurtre de ma famille. Il vient en aide aux réfugiés. Et son nom n'était pas sur la liste trouvée. Quelqu'un lui a laissé un message au temple. Il est identique à ceux que les conspirateurs portaient. Ce message promet à Jun-Jin des vivres pour ses refuges. En échange, il devait fournir des renseignements sur mes faits et gestes. On lui a fait une offre. Cela ne prouve rien. Cela prouve qu'il a été en contact avec la personne qui a tué ma famille. Nous tirerons cette affaire au clair en parlant à Jun-Jin. Tu as ma parole. Quelqu'un l'a vu au temple des Feuilles Rouges. Au temple des Feuilles Rouges.
Eh ben, on va aller au temple Allez-y. Des feuilles rouges. Attendez-moi. À tout toi. Quand nous aurons trouvé le moine, moi seul déciderai de son sort. N'oubliez pas, nous devons lui parler. Les hommes qui ont tué ma famille ont fait parler leurs épées. Vous ne tuerez pas Junshin tant que sa culpabilité n'aura pas été prouvée. Ton père a été assassiné. As-tu parlé à son meurtrier ? Non. Le seigneur Shimura l'a traqué, et il a fini par avoir sa tête. Tu as eu ta vengeance, Jin. Ne te mets pas en travers de la mienne. Bande de chiens, vous allez le payer. Oh. Ok. Ces gens sur le domaine du temple. Nous devons trouver Junshin. Viens. Les kunai. Le temple est proche. Comme Junshin. Je peux pas sprinter. À terre. Je dois aller chercher Junshin. T'as rien à donner, toi ? Foiré. Seigneur Sakai, c'est vous ? Seigneur Sakai, c'est vous ? Oui, c'est moi. Écarte-toi, Jin. Il a trahi ma famille. Va-t'en ! Si nous nous battons, les Mongols gagneront. Eh ouais, un petit duel. Ils ont déjà gagné. Tout ça parce qu'on s'est mis en travers du chemin. Nous étions amis. Tu prends la défense d'un meurtrier. Nous devions lui parler. Parler ne sert à rien. Vous me l'aviez promis. Seul compte ma promesse à ma famille.
Ils entendaient ? Ce sont eux, nos ennemis. Laisse-moi tranquille, j'ai pas envie de te parler. T'as voulu me combattre? On avait autre chose à foutre. J'y ai promis. Quand je regardais Jun-Shin, je ne voyais rien d'autre que les corps de mes petits-enfants. Leur visage quand on leur a ôté la vie. Et toi, tu t'es interposé. Vous vouliez donc me tuer? Avez-vous perdu l'esprit? J'ai perdu tout ce que j'avais. Non. Vous avez tout sacrifié pour vous venger. Et toi, qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à Ryuzo? Allez. La colère ne doit pas nous aveugler. Ou nous détourner de nos amis. Tu me fais toujours confiance? Bien sûr. Jun-Shin n'ira pas loin. Nous pouvons le traquer. Asako, ne vous avisez plus de m'attaquer. Mais... jamais. Je le promets. Trouvez sa trace. C'est un beau combat quand même, hein. Jun-Shin est parti par là. J'ai bien aimé, moi. Après, tous les duels de ce jeu sont vraiment géniaux. Il semble s'être enfui dans la forêt. Quand nous trouverons Jun-Shin, laissez-moi lui parler en premier. Il n'a donc pas confiance en moi. Peu importe. Jun-Shin se méfiera de vous. Et nous devons le faire parler. Tu as raison. Mais n'oublie pas, Jin. Pour parler, il n'a besoin que de sa langue. Trouver. Pitié, ne me tuez pas. T'as intérêt à être qui convaincant pour pas mourir. En échange d'informations sur Masako. Elle se faisait appeler Dame Hana. Mensonge. Masako, non. Qui est-elle? C'était ma sœur. Elle a été tuée avec le reste de ma famille. Ouais. Elle est venue me voir il y a 2 jours de cela. Elle portait un kimono rouge et une ceinture toute dorée.
Je me rappelle d'un parfum de chrysanthème. Non. Non. J'ai refusé de lui dire quoi que ce soit. Je vous le jure. Laissez-nous. Voilà la vérité. Ma sœur, elle est en vie. Elle a massacré les enfants. Pourquoi voudrait-elle détruire votre clan ? Je l'ignore. Mais je vais la retrouver. Vous n'êtes pas obligé de le faire seul. Retrouve-moi Kamiagata. Alors, je crois que la dernière mission du récit de Masako, c'est au niveau de la troisième partie, donc dans l'acte 3 qu'on va pouvoir le faire, si je me souviens bien. Ouais. Ouais, parce que pour l'instant, on n'en a plus des missions avec elle. Et oui. Bon, du coup, Masako, c'est fini pour l'instant. Hop, on va revêtir ça. Et on va aller au pilier de l'honneur. Paix divine. Ouais, les duels, on ira plus tard quand on aura vraiment fini tous les duels. Là, on l'a fait. Ok, d'accord. Bon, bah, on va se téléporter, ça ira plus vite. Tac. Et on va faire. On a une source chaude qui est ici, c'est cool. Applicable. Un petit brin de toilette, ça nous fera pas de mal. Je trancherai la tête de ce satané mongol. Ou alors je le noierai. Non. Je le brûlerai vif. Comme il a brûlé le seigneur Adachi. Ok. Là, on va faire la mission paix divine. Ah. Ce sanctuaire a été profané. Ah oui. Mais par qui ? Là, les amis, c'est une mission qui est riche en émotions. Déjà, vous voyez ça, déjà, là. Tué puis abandonné ici. Quel mépris pour ces messagers sacrés. Qui peut faire ça ? Qui peut être aussi cruel ? Détruite. Cela a demandé des efforts et du temps. Saccagé, volontairement, de toute évidence. Alors, par contre, je sais plus s'il y a une... C'est la haine qui a motivé de tels actes. Là, il faut suivre le renard, du coup. Par contre, pour la tenue, je sais pas quoi utiliser, là. Ouais, on va utiliser celle-là. Et là... Sûrement les responsables. Oh là là, cette flèche, elle était magnifique.
celui-là. Tu m'as vu, mais c'était trop tard, mon grand. Il doit y en avoir d'autres. Putain de chien, je vous jure, il me casse les couilles. Oh, regardez-moi le carnage qu'ils ont fait, ces PD.
Feng-Dwen. C'était les derniers. Ils ne peuvent plus te faire de mal, à toi et aux autres messagers divins. Puissent les morts trouver la paix. Ça va, ils ont... Pendant la mission, vous voyez tous les cadavres des renards et c'est assez assez prenant quand même. Alors, du coup, on a encore du temps de chair et... Ah oui, de chair et de pierre, oh la vache. Alors, celle-là, elle est... celle-là aussi, elle est vraiment... On va faire celle-là, puisque... comment dire... Quoique... Franchement, j'hésite, les amis. J'hésite, vraiment. Ouais, allez, on va faire celle de Sensei, là. J'espère qu'il va pas nous emmener dans des endroits où on n'a pas été visité encore. Ah, on est plein au niveau du lin. Êtes-vous Jin Sakai ? Oui, pourquoi ? C'est moi. Qu'est-ce qui se passe ? Ishikawa Sensei vous attend à l'intérieur. D'accord. Merci. C'est Ran qui a découvert leur camp. Exact, Sensei. Sakai. Ishikawa Sensei. Tout ceci est l'œuvre de Tomoe. Elle et ses Mongols ont eu fort affaire. Une femme d'ici, dénommée Ran, sait où la trouver. Je vous suis. La terreur d'Otsuna. Comment sait-elle où se trouve le camp de Tomoe ? Elle l'a découvert par hasard en cherchant à manger dans les bois. Elle a de la chance d'être en vie. Tous ses compagnons ont été tués. T'appelles ça une chance, toi ? Vous vous appelez Ran ? Oui, mes seigneurs. Les Mongols qui vous ont attaqué, ils avaient une japonaise à leur tête. Tomoe. Je n'oublierai jamais ce visage. À l'époque, elle chevauchait avec un groupe de voleurs d'ici. C'est impossible. Tomoe vient de la préfecture de Mugi. Elle est arrivée jusqu'ici. Son arc a terrorisé Otsuna pendant des années. On disait qu'elle était capable d'abattre un aigle en plein vol, les yeux bandés. Le camp que vous avez trouvé, où est-il ? Dans la forêt. Au sud-ouest d'ici. Entre
entre la rivière et la côte occidentale. Maudit Tomoe, ce que je lui ai enseigné. Les secrets partagés. Elle a tout gâché. Vieille imbécile. Pourquoi m'aurait-elle menti? Tomoe ne vous a jamais rien dit de tout cela. Avant ce conflit, j'ai voulu faire de Tomoe ma fille. En faire un samouraï. Pour quelqu'un comme elle, c'est une opportunité rare. Ouais. Ensuite, je me suis rétracté. Parce que c'est une tueuse à gages. Parce que son sensei a échoué. Elle est retournée à son ancienne vie. C'est une chose de se voir privée d'une nouvelle vie, mais de là à terrifier ses semblables. Je le sais bien, Sakai. Vraiment. Puis-je compter sur vous pour faire le nécessaire? Nous avons un camp à trouver. Attendez, attendez, parce que là, moi, il y a un truc qui me gêne, là, vraiment. Ah merde, je l'ai déjà avec l'armure brisée. Bon, bah c'est pas grave. Hein, parce qu'en fait, ce qui me dérange avec ce masque, c'est qu'il a perdu sa couleur là. Et le truc en bois. Eh ben écoutez, on va mettre ça. Hein. Ou alors. Ouais, ça c'est pas mal. Ok. Ça me va. Allez, on y va. Voyons d'un bon œil que Tomoe soit revenue en terre inconnue. Elle doit être désespérée. Elle a pourtant l'Empire mongol à ses côtés. Plus nous saperons ses efforts, plus le Khan risque de lui retirer son soutien. Nous pourrions en tirer avantage, creuser un gouffre entre eux. Et si nous réussissions, et que Tomoe renie la cause des Mongols? Après tout ce qu'elle a fait, elle mérite d'être punie. Même si elle se disait prête à se battre pour nous? Vous la croiriez? Non. La femme à qui on a parlé a dit que Tomoe semait la terreur. Ça devait être il y a bien longtemps, quand Tomoe était jeune. Adolescente. Et elle vivait parmi les bandits. Difficile, même à deux fois son âge. Mais vous n'avez jamais rien suspecté. Lorsque j'ai commencé à la former, elle cachait une petite lame dans sa manche. Et volait discrètement à manger. Je comprends que vous ayez fermé les yeux là-dessus. Il n'y avait pas que ça. Je tenais tellement à en faire mon héritière. Que j'ai refusé de voir la vérité. Le camp devrait être tout près. Et ouais. Idéal pour des archers embusqués. Sois sur tes gardes. Pied à terre. Cache-toi et trouve un endroit d'où observer le camp. Par ici. Toujours la même chose. Que vois-tu? Des flèches japonaises. Évidemment. Des cadavres qui servent de cible d'entraînement. L'œuvre de Tomoe va détruire ce camp. Et essaie de trouver Tomoe. À votre signal, Sensei. Je me montrerai quand tu lanceras l'assaut. Bon, bah alors dans ce cas-là, mon gars, si tu veux que je donne un assaut, on va... On va pas mettre l'armure de hein, pas mettre cette armure. D'accord, ok.
Elle a été vue ici récemment. Regarde partout. Et ouais, ça sert d'avoir la... l'armure mongole, mine de rien. Sensei, Paris. Peut-être Tomoe. Le sensei et le fantôme. Ah, j'en ai plus qu'assez de vous deux. Tes archers sont morts. C'est fini. Embuscade. Retour Tomoe. Je m'occupe de ces imbéciles. Tomoe, il n'y a qu'une issue. Tu n'as nulle part où aller. Putain, pourquoi il s'est arrêté de courir, ce con? Va falloir faire mieux que ça, Kader Sakai. Et où va-t-elle? Tomoe. C'est donc toi, Sakai, le nouveau larbin du sensei. Et toi, l'élève prodige qui a renoncé à une vie meilleure et a tout gâché. C'est ce qu'il t'a raconté ? Tomoe, pourquoi discuter ? Parce qu'il fallait que je te mette en garde. Ton sensei a essayé de me tuer. Il en fera autant avec toi. Merci pour l'attention. Mais je suis là pour en finir. C'est déjà terminé. Je n'ai plus rien. Plus personne. Dépose ton arc, Tomoe. A-t-elle perdu la tête? Elle a disparu. Je dois le dire à Ishikawa-sensei. En gros, elle a perdu le soutien des Mongols. C'est ça qu'elle essayait de nous expliquer. Quand elle a dit qu'elle a tout perdu. Sakai, que s'est-il passé ? Tomoe aurait pu me tuer, mais elle n'a rien fait. Tu l'as laissé s'enfuir. Elle s'est jetée dans le vide. Je l'ai vue. Tu as vu ce qu'elle a voulu te montrer. Elle semblait désespérée. Elle l'est, à cause de nous. Pourquoi pense-t-elle que vous allez me trahir? Elle n'en pense rien. Elle essaie seulement de creuser un gouffre entre nous. Et c'est réussi. Non, je vous rassure. Tant mieux. Mais la prochaine fois que tu te demandes si je pourrais la tuer, pose-toi la même question. Tomoe n'en a pas encore terminé. Je pense qu'elle ira au nord.
pour demander leur aide aux Mongols. Donc la suite, pareil, au nord, dans l'acte 3. Et ouais. Alors, oh la vache, on est loin. On est loin, 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 loin. Après, c'est pas grave, on pourra se téléporter directement là-bas, il n'y a pas de problème. Ou alors, on essaye de faire le sanctuaire avant la fin. Enfin, le terrier de renard. Ouais, non, le terrier de renard, c'est mieux parce que il nous reste plus beaucoup de temps là pour aujourd'hui. Du coup, hop. Allez, mon pépère, je te suis. Tu vas où, pépère ? Très bien, il nous emmène dans des parties de la map où on n'a pas été. Et tu m'emmènes où? Il est loin ton sanctuaire à toi. Mais il est trouvable puisqu'il est en plein milieu. Il était temps qu'on arrive au sanctuaire, les amis, il était en PLS. Hey, un petit câlin. Un petit câlinou. Ah ouais, un petit câlinou. Et il est content. Et il est tout content, il retourne à son terrier. Alors, du coup... On n'est pas loin... C'est quoi? C'est un ours? C'est barré où le dernier? Oui, parce que du coup, j'ai revendu un peu... J'ai revendu un peu de peau de prédateur parce que j'étais arrivé presque à 500 et du coup on peut... Oh là, il y a une source chaude là-bas. Quand vous voyez de la fumée comme ça, là c'est une source chaude, ça, c'est obligatoire. Allez, va faire dodo là-bas, toi. Reste par terre. Et laisse-moi profiter de la source. Foiré. Non, mais... Et là, on le voit bien, son cul, hein. Dame Masako, ma mère. C'est les dernières semaines de sa vie dans les sources chaudes. Jamais elle ne s'y est mouillée les cheveux. Ok. Là-bas, on dirait qu'il y a un phare ou une connerie dans le genre.
Alors. Merde. Ok, alors attends. 1, 2, 3. Ok. Bon. Ben voilà les amis, c'est comme ça qu'on va se quitter pour aujourd'hui. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour la suite de Ghost of Tsushima. Prenez soin de vous. Salut, salut les amis.